Bienvenue à la micro-ferme d'Annie. Je suis Annie et aujourd'hui, je vais vous donner un petit truc que j'utilise tous les ans pour avoir des plantes gratuites quand je vais les acheter à la pépinière. Je vais vous montrer sur les tomates parce que c'est le plus évident et le plus facile. Quand je vais acheter une tomate, j'ai acheté un Sun Gold. Je m'assure qu'ils sont basses et je m'assure qu'il y a des gourmands, au moins deux, parce que ça veut dire que j'ai une plante, deux plantes de plus que la plante originalement que j'ai achetée. Donc sur celle-là, j'ai au moins trois plantes avec mon achat original. Ça, c'en est un autre aussi. La bumblebee rose, on a moins 1, 2, 3, ça y en a 4 plantes. Donc, une autre raison pourquoi je fais ça, c'est que les semences n'étaient pas disponibles de cette variété-là cette année. Et j'ai fait 2-3 places pour voir si je pouvais la trouver. Donc, une plante, je sais que cette variété-là n'est pas une hybride. Donc, je sais qu'avec une plante mère et ses bébés, je vais être au moins capable de récolter une tomate cerise pour récolter mes semences pour l'année prochaine. Donc, une autre chose aussi que je fais avec mes choux. Quand je vais pour des choux, des tomates, ça n'arrive pas toujours. Je sais que cette année, j'ai réussi à en trouver deux. Où es-tu? Par exprès, je ne le trouve pas. Ah, ici. Ça, c'est une cassette de chou-fleur. Normalement, une cassette, à l'endroit où je l'ai acheté, se vend en paquet de 6. Mais moi, j'ai un 7e qui est juste là. C'est ça, il est un petit peu plus petit et en retard par rapport aux autres parce qu'il est en concurrence avec les autres. Sauf que je vais quand même avoir un plant de plus. Puis, juste un exemple, l'année passée, j'ai acheté une cassette pareil comme ça et sur mes 12 plants que j'avais achetés, donc 13, j'en ai un qui est mort. Donc, j'ai quand même eu 12 plants. Donc, des fois, c'est toujours, tu sais, ma poule est rentrée dans le jardin, j'ai réussi à sauver un des plants qu'elle a mangé parce qu'il n'était pas si pire. Puis le deuxième, elle l'a mangé en entier parce que... c'est ce que c'est une poule, ça mange la verdure, donc ça a pris ça. Et cette année, j'ai réussi, surtout sur mes... J'étais super chanceuse avec mes choux-fleurs. J'ai acheté une place, une cassette de 12, il y en a un 13e. Puis j'ai acheté 3 cassettes de 6 et il y en avait un de plus. Donc, je me retrouve avec des plantes gratuites. Et à chaque fois que j'achète des plantes transplantées, en pot, dans des pépinières. J'essaie toujours de voir si je suis capable d'aller chercher un gratuit parce que ça pousse ton argent. Ça fait qu'en bout de ligne, avec l'argent que tu as investi sur un plant, mais tu en as au moins un autre de gratuit. Puis avec l'augmentation des prix partout, un plant de plus va nourrir au minimum pendant au moins un repas de plus ou plusieurs repas de plus. Fait que pour moi, c'est un bonus, c'est encore mieux. Donc c'était mon truc pour aujourd'hui. Maintenant que j'ai tout donné mes trucs, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un gourmand. Je vais te donner une petite explication. Ici, c'est la tige principale. Une feuille. Puis dans le triangle ici, ça c'est un gourmand ici. Ce que je vais faire, c'est je vais laisser venir à peu près ça de long. Je vais prendre une paire de ciseaux, je vais le couper. Je peux soit le mettre dans le sol direct ou le mettre dans l'eau. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer des racines et ça va devenir un nouveau plant. On peut faire ça sur tous nos plants de tomates à travers la saison, tant qu'il nous reste assez de temps chaud devant nous. Donc, moi, je le fais, je transplante à la fête d'Arène, fête des Patriotes, et je dirais en juin. J'ai des gourmands. Et tout au mois de juin, les gourmands que je veux prendre, je les mets dans l'eau. Après ça, je les transplante. C'est sûr que là, faut s'attendre à ce qu'un gourmand ne produira pas en même temps que le plant mère. Donc, si c'est un plant
qui est un 60 jours. Dites-vous que vous devez avoir au moins, quand vous le transplantez, 60 jours plus devant vous pour avoir des fruits. Donc, c'est ça un petit gourmand sur les tomates. Moi, je les enlève. Il y en a qui ne les enlèvent pas. Moi, c'est une préférence. Je les enlève sur tous mes plants qui sont indéterminés pour faire en sorte qu'il y ait une bonne circulation d'air et éviter toutes les maladies. Tu peux ne pas les enlever. La seule différence, c'est que tu ne peux pas avoir des plantes trop rapprochées parce que ce qui arrive, c'est que si les plantes sont trop proches, il n'y a pas de circulation d'air. Donc, c'est bénéfique pour des champignons puis plein d'autres maladies que les plantes, n'importe quelle plante peut avoir. Donc, j'ai choisi d'enlever les gourmands, un, pour avoir des plantes gratuites, deux, pour avoir plus de plants dans l'endroit où ce que j'ai plante. Et ça fait que j'ai moins de problèmes. Donc, c'est pour ça que moi, j'enlève les gourmands. Donc, j'espère ça. Merci de passer à la ferme. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir. Bye!